Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ravi de vous retrouver en compagnie de Mario sur le nouveau Mario 2D Super Mario Bros. Wonder. J'attends vraiment le mercredi avec impatience. J'adore ce jeu. Et on va continuer ensemble. Tout de suite. Monde 3, les chutes dorées. Mario, comme à mon habitude, voilà. Alors, je crois qu'on avait tout récupéré. Ah non, pas les petites, voilà. Celle-ci oui, celle-ci non. À droite et gauche, c'est fait. Très bien, parfait. Alors, ok, c'est minuté aussi. C'est minuté comme l'autre. Alors, attendez, je reprends les petits boutons, voilà, le gameplay. T'es d'accord? On a quoi déjà ici? Juste, d'accord, il faut arriver en haut. Ah oui, qu'est-ce que j'ai comme... comme badge? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai comme badge. Bonsoir Moshiki, tu vas bien? Ok, ah oui, c'est vrai que je peux les activer. Voilà, comme ça aussi. Pratique. Hein. Très très pratique. Encore un peu. Yes, mais t'inquiète pas, on est dans les temps. Aïe, pas du tout, attendez, wow, c'est bon? Bah voilà, c'est parfait. Je vais bien, moi, je te remercie. Aïe, tu t'es ouvert la main, comment t'as fait ça? Grosse blessure ou ça va? T'as pu mettre un... de la gaz et... et c'est reparti. Ou hôpital. Ah oui, je suis à fond au niveau des pièces. Il faut que j'achète des choses, tiens. Juste avant. Je vais faire mes emplettes. Je crois qu'on a tout eu ici. Ouais, ça c'est quoi? Ah oui, c'est ça, je l'ai fait. J'ai beaucoup aimé. Énigme du vide. Alors, c'est toi le marchand, je crois. On va prendre plein de choses. Ah, au travail, d'accord, t'es cuisinier, aïe. Couteau à déraper, ça pardonne pas, ouais. Ça en achète, ça je sais même pas ce que c'est. Panneau surprise, achetez un panneau aléatoire, qu'allez-vous obtenir? Surprise garantie. Un panneau Mario qui pose. Très bien. Un Yoshi. Yoshi rouge qui nage. Très bien. Je vais en acheter quelques-uns, tiens. Tant qu'on est là. Yamoshiki, tu l'as fait ce jeu déjà? Bon, je suppose qu'en ce moment, tu joues pas trop. Avec ta main blessée. Ah d'accord, ok. J'ai que des Yoshi là. D'accord, tu dis. Bien. Allez, dernier, et on repart. Mais je crois que les panneaux, ça sert quand on joue en ligne. D'ailleurs, tiens. Est-ce que tu veux changer de badge? Pas maintenant. Je vais voir si ce soir je teste ça. Ici. C'est possible que dans la soirée je teste. On va voir ce que ça donne. Peut-être juste après ce monde. Je pense qu'on l'a bientôt fini.
voilà à l'épreuve finale. Ok, sa véritable arrivée est cachée. Trouvez-la et vous aurez réussi. D'accord, ça me rappelle un petit peu des mondes avec les boues. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore celui-ci. Et si je puis vous donner un conseil, regardez bien où vous mettez les pieds. Pouf! Il est excellent ce jeu. Si tu aimes l'univers Mario, je te le conseille fortement. Donc, trouvez la sortie. Faites attention où on met les pieds, d'accord. Ok, d'accord. On a vu un bon 10. Je sais pas le badge, j'ai pas regardé encore. Je suis bête. Je suis à bon 10. Yes. Oh, il est dessous. Oh, je l'ai raté. Bon, on va le refaire de toute façon. Pas le choix. Car je le rappelle, je fais le 100% de ce jeu. Allez, tous en cœur. Allez! 10 sur 10, merci pour la note. Donc j'ai raté deux pièces fleurs. On va la refaire. Très très jolie photo. Félicitations! Vous avez trouvé toutes les graines prodiges, des chutes dorées. Voici 100 pièces pour fêter ça, merci. J'ai pas eu le temps de changer de badge. Je sais pas, peut-être que c'est... Attendez. Ah oui, c'est ça, c'est le saut, le super saut. Clac, à la Super Mario Bros. 2. Il est super. Vraiment. Ce jeu est incroyable. Enfin, on se régale. Je me régale. Aïe. Donc, j'ai raté... Donc, on l'a vu, la pièce. Hein, elle était dessous. Ouais, peut-être pas la fleur. Voilà, j'y vais sans la fleur prodige. On verra ce que ça donne. D'accord. D'accord. Ah, il est là. Comment je fais? Voilà, comment je fais? D'accord, il y en a une ici. On le saura. Bah merci pour le tu te débrouilles bien. Ouais, bah ça fait... Bah là, j'en suis... Je sais même pas à combien d'heures j'en suis sur ce jeu. Attention. Ouais, je me débrouille bien en fait. Plus, ça dépend. je sais pas, un peu plus d'une dizaine d'heures, je crois. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, on peut sauter dessus. Ok, il nous manque la pièce du milieu. Et puis chaque niveau est vraiment différent. On a des gameplays différents, des mécaniques, des mécaniques différentes à chaque fois. On a différents types de choses à faire. On a des niveaux énigmes qui sont sympas. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. C'est la force, je trouve, de Nintendo et des Mario. Ce que je vais prendre, voilà, je vais changer de badge. On a des badges. Alors ça, c'est quoi ? Gratification, vous remportez des pièces, ok. Super champignon, bloc bonus, ce badge ajoute des blocs. D'accord. Et le rebond salvateur, c'est on a le droit de tomber une fois dans le vide, mais pas deux. Moi j'aime beaucoup le parachapeau. Après ça dépend, suivant les niveaux, on a des spécificités
qui sont bien meilleurs que d'autres. Parachapeau, c'est parti! Alors, je vais tenter avec la fleur prodige, tiens. Justement, en fait, les badges nous octroient une... Comment dire? Ah, mais non, en fait, il fallait pas que je fasse ça. Je sais pas. Non, il fallait pas. Il fallait pas. Ah, peut-être que je peux revenir en arrière en sautant. Les badges... on a une... Une spécificité différente à chaque badge. Pour chaque badge. Par exemple, on a le badge dauphin, donc on peut nager... bien plus rapidement, bien plus efficacement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Ok. Là, j'ai le badge parachapeau, on l'a vu. Hop, je peux flotter avec mon chapeau. Ma casquette. On a quoi comme badge? On a badge escalade où on peut grimper. On a le droit à un coup sur un mur, donc on peut monter plus haut. Quel ordinaire. Et je les ai pas encore tous. Donc c'est bien, on peut choisir ça aussi. Voilà, on peut faire des choses différentes en choisissant, en faisant des choix différents. Ouais, ça je me fiche. Alors. Là, et ensuite il faut que je reste à gauche. Parfait. Et bien sûr, les animations sont excellentes ici. C'est vrai que ça change des autres Mario qu'on a connus. Ça fait effet 3D. Donc c'est marrant, c'est sympa. Ah ! J'ai failli tomber. Et voilà, ça y est. Niveau terminé 100%. Manoir de la Graine Royale. C'est parti. Waouh, vous avez atteint le sommet des chutes dorées. Waouh. Vous êtes trop fort, cela signifie que vous avez réussi l'épreuve finale. Félicitations. Super, on a réussi. Mais alors, ça veut dire que... Tada. C'est avec fierté que je vous confie la graine royale. Je n'ai plus rien à vous apprendre, Altesse. Surtout qu'en fait, je ne vous ai rien appris du tout. Haha. Merci pour le bravo. Pas de soucis, Moshiki, je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Ah mais on la récupère comme ça. Ah, je pensais qu'il y avait un niveau. Ah bah, à tout à l'heure, du coup, j'avais pas vu la fin de ton message. Ok, bah, à tout à l'heure. Nos héros ont courageusement triomphé de toutes les épreuves. Mais leur aventure dans le royaume de fleurs est loin d'être terminée. Combien d'autres épreuves finales auront-ils à surmonter avant d'obtenir toutes les graines royales? Alolo. Utilisons une fleur hélico pour retourner aux îles florales. Évite de t'ébahir devant la beauté du paysage, tu risquerais de lâcher la fleur. Ah ça va, Mario c'est un pro quand même. Hein. Depuis
Depuis combien de temps maintenant? 30, 35 ans? Que Mario s'entraîne à courir, sauter, manger des fleurs et tout ça. Bon, ça va, il est rodé. Petite vermine, cessez immédiatement d'attaquer mes pauvres nuages piranhas qui ne vous ont rien demandé. Oh, ne criez pas victoire trop vite et écoutez ça. Les préparatifs de mon grand, de mon énorme prodige suivent leur cours. Plutôt que de lutter, vous feriez mieux de vous réjouir. Ah, ah, ah. J'ai pas compris ce qu'il était en train de faire. Il faisait, je sais pas, il était en boîte, en discothèque. C'est vraiment inquiétant. Inquiétant ? Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter, ce petit bougre de Bowser ? Dépêchons-nous de trouver les autres graines royales. Plus vite on les aura, et plus vite on atteindra Bowser. On doit encore récupérer 3 graines royales. Elles devraient être dans le désert cuisant, les mines fongiques et le volcan végétal. Si tu veux voir leur emplacement sur la carte globale, appuie sur L, puis sur X. Je te laisse décider où aller en premier. Eh bien, on va aller là où il y a marqué 10. 10 graines. On va faire 10, 12 et 15. Dans l'ordre. Mais avant cela. D'accord. D'accord, on ira au volcan à la fin. Mais d'abord, on va tester... À quoi ressemble Mario en ligne ? Juste ici, à gauche, voilà, on a la parabole. Parfait. Jouez ensemble. Ah, alors attendez. Salut, ravi de te rencontrer. Tout le monde m'appelle Monsieur Réseau. Si le jeu en ligne t'intéresse, tu as frappé à la bonne porte. Et maintenant que les présentations sont faites... Une astuce réseau rien que pour toi. Partage ton aventure avec des joueurs du monde entier. En jouant en ligne, tu peux t'amuser avec des gens d'un peu partout. Et en cas de pépin, les gens peuvent s'entraider de toutes sortes de manières. Autant de bonnes raisons d'activer le jeu en ligne si tu veux mon avis. Quand vous jouez en ligne, votre nom d'utilisateur et d'autres données de jeu comme les points que vous avez gagnés peuvent être vus par les autres joueurs. Très bien. Connectons-nous. D'accord. Où que tu sois, tu peux activer le jeu en ligne. J'en profiterai pour te glisser l'une ou l'autre astuce à son sujet. Au passage, tu peux activer ou désactiver ce mode quand tu veux depuis le menu principal plus. J'aurais peut-être dû, voilà, guide. Alors, comment jouer en ligne ? Tiens, présentation générale, on va voir. Activer le jeu en ligne, blablabla, blablabla. Ouais. Je vais voir. Je vais voir si je peux le faire. X. On va chercher un salon.
D'accord, donc on ne peut jouer qu'entre amis. Et pas... c'est dommage. On peut pas jouer avec des gens lambda. Je vérifie encore une fois. Si tu perds dans un stage, tu peux rester en jeu sous la forme d'un fantôme. Sous cette forme, il suffit de toucher un autre joueur pour être ranimé sur le champ. Si ça t'arrive, pense à remercier ton bienfaiteur en appuyant sur X pour lui envoyer une salutation. En fait, ça m'intéresse pas. Pas vraiment. Mais si je crée un salon, je suis tout seul, donc ça sert pas à grand chose. Allez hop. Dommage. Mais du coup, là, comment je fais pour me déconnecter? Voilà. C'est par là, hein. Caverne aux joyaux. Ok, c'est parti. Ah, tu es revenu, Moshiki. Oui, c'était court. Ouais, ça s'est fait rapidement. Eh bien, allez. On repart dans un nouveau niveau. Attention. Oui, effet 3D quand il tourne. Oula, d'accord. Yes! Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Mario... c'est quoi, Mario... Ah, comment ça s'appelle déjà? Foreuse. Moi, ça me rappelle... Yeah, le petite animation quand on saute. Ça me rappelle Super Mario Galaxy. Hop là. On se cache. Alors, on va essayer de voir. Voilà, on peut casser tous ces cristaux. Et là-haut, on a des cristaux. Est-ce que je peux les... Oh, mais je peux monter. Mince, je me suis loupé. On recommence. Mais oui, c'est vrai, on peut aller au plafond. Alors, attendez. Tiens, vas-y. Hop là. Voilà, on peut même aller au plafond. C'est... Ce jeu est génial. Il est génial. Bon, par contre... Ah, il peut pas passer ces virages là-haut. Ok. Et là, si je fais ça... Ouais. D'accord, j'ai pas pu grimper plus que ça ici. Ok. Et je peux pas atteindre les blocs là-haut. J'essaie des boutons. J'essaie. D'accord, bon, on continue. Oh, le pauvre, il est complètement coincé. Dans l'ombre. Tiens. Je peux à nouveau parler. Dommage que je n'ai rien à dire. J'aime bien parfois les les phrases que sortent nos amis les fleurs. Et on a beaucoup de transformations aussi là-dedans, dans ce jeu. Ok, peut-être qu'il y a des choses en haut. Peut-être, attention. Oula. Ah non, ok, je peux pas. Je peux pas. Et bien évidemment, il y a des choses cachées un peu partout. Comme dans tous les Mario. Merci, tu m'as sauvé la vie. Mais je t'en prie, mon grand.
Le prochain live, c'est demain soir, à partir de 21h30 à peu près. Demain soir, c'est entraînement Mario Kart. Voilà, donc pas de soucis, Mosheki. Très bonne soirée à toi. Bon, je pense que je vais louper des choses, mais c'est pas grave. J'apprends cette nouvelle mécanique de jeu. On va le refaire de toute façon. Comment je fais pour... Ah, ok. Bonne soirée, ciao ciao. En fait, ouais, ok, il faut grimper comme ça. D'accord. Et ici, on n'a qu'une vie. Bien. Hey. Plus trop rire. Bon, je pète tout. Hein. On casse tout. Et j'ai pas droit à quelque chose, non? Rien du tout. Il est en train de suffoquer, le pauvre. D'accord. Le vilain. Allez hop. Et là-haut, y a-t-il quelque chose? Ben voilà, merci. Impeccable. Et c'était la deuxième. Super. Bonsoir, démon vif. Tu vas bien? Ah bah c'est gentil, merci. Merci de me souhaiter un très bon stream, même si tu me dis que tu ne peux pas rester longtemps, il n'y a aucun souci. Pas de souci. Je vais très bien, merci. Aïe, j'ai pas encore pris coup de main pour grimper, voilà, dans les espèces de cristaux violets. Ce qui est bien dommage parce que peut-être qu'il y a quelque chose là-haut. En tout cas, ah oui, mais il y a ça. La fleur prodige qui nous fait totalement halluciner. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah mais d'accord, si, en fait, je comprends. J'ai compris. Faut vite se dépêcher. Vite, je sais pas où il est. Là. Oh, ça va. Pas de soucis, démon vif. Tu sais, chacun fait comme il veut, comme il peut. T'en fais pas. Il n'y a aucune obligation. Il hein. Y a des gens qui viennent une fois et qui ne reviennent jamais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que... Bah, ici ou ailleurs, mais... Je parle d'ici, de Twitch, hein. Pas de la chaîne en particulier. C'est que chacun fait comme il veut, on regarde ce qu'on veut, le temps qu'on veut. C'est sympa, on aime. Si on n'aime pas trop, on s'en va. C'est cool. Bien, la troisième et dernière pièce est là-haut.
Oui, oui, salut les gars, salut les gars, salut les gars. Est-ce que j'aurais fait une erreur? Parce que je pourrais peut-être monter par ici, mais... T'es en train d'y jouer en ce moment? Comment tu trouves ce jeu? Tu l'as pas fait ce monde? Là on est... je suis bientôt au monde numéro 4, normalement. J'ai fait le monde 3, les chutes dorées. Je viens de le terminer là, tout à l'heure. Enfin, j'ai terminé tout à l'heure. Et donc, nouvelle mécanique de jeu, avec la foreuse. T'en es aux chutes dorées. Très bien. Bon, t'auras ça juste après les chutes. Logiquement, après ça dépend, on peut prendre le chemin qu'on veut. On a trois choix de monde apparemment. Après les chutes dorées. Mais bon. Je me suis fait avoir, je pense. Ah mince. Ouais, peut-être avec le badge pour sauter plus haut. Mais le problème, c'est que le badge pour sauter plus haut, si on se met sur les... Enfin, si on s'accroupit, hop, on fait ça, en fait. Donc, avec le tourbillon, enfin, la foreuse. Voilà, il faut qu'on n'ait pas la foreuse. Ah, attendez, quoique. Attendez, j'essaye un truc. Ah, je peux pas atteindre... Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Là, est-ce que je peux passer? Oh, incroyable. Par contre, il doit y avoir quelque chose là-bas. Et je peux pas passer. Allez-vous-en. C'est bizarre, voilà, là-bas qu'il y a un... Ah, j'aimerais bien. Vas-y, j'essaye. Hop là, mais non, trop... Non, c'est pas... Ah si, c'est bon. Mince. Bon, bref. On avance. Bien joué. Tu l'avais évité pourtant, Mario. C'est dommage. Ouais, j'avais vu une petite fissure, donc je me suis dit, tiens, on peut peut-être passer par là. Ah, ça y est. J'ai grimpé, sauf que j'ai plus la foreuse. C'est bête. Et si on peut passer au-dessus? Non? Je sais pas. Bon, ok. Trouver un petit passage qui, ma foi, ne sert pas à grand-chose. Mais on est content. J'ai pu l'atteindre. Attends, ah oui, il va tout péter. Il faut pas. Voilà. Oui, oui, c'est vrai, moi aussi, je trouve ce jeu vraiment mignon. C'est vrai que c'est très irisé, il y a des couleurs partout. C'est très bien fichu. J'aime beaucoup les arrière-plans des niveaux. Les animations de Mario, les nouvelles. Il y a du semblant de 3D, en fait. J'aime bien. Donc celui-là, je crois que c'est bon. On a eu les trois pièces plus les deux graines. J'aime beaucoup les musiques aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis tout. Le désert cuisant. Les mines fongies se trouvent au sud. Donc, on va au désert cuisant. Et toi? Ah oui, tiens. Je vais faire mes emplettes. Si tu comptes te rendre dans le désert cuisant, tu ferais bien de t'équiper de notre bazar. Dans notre bazar. De notre bazar. Oui, oui, je suis d'accord aussi. Les badges rajoutent une dimension supplémentaire. Et on peut... Bah, suivant l'affinité que les gens ont avec les badges, ou même dans un niveau on se dit tiens, je vais prendre ce badge, ça va m'aider. Ça change la donne. C'est vraiment sympa. En gros, il n'y a potentiellement pas qu'une façon de résoudre certains mystères. C'est chouette. Allez. 5 vies pour nous. On a trop de pièces, on va en dépenser.
Voilà. La la lou. Et tu l'as testé en ligne tout à l'heure, je voulais. Mais on peut faire que. En ligne, c'est qu'avec des amis, des gens que, voilà, qu'on connaît. Enfin, qu'on connaît. Bref, vous m'avez compris. Des arts cuisants. On peut pas faire avec des joueurs lambda. C'est dommage. Un petit peu comme Mario Kart. Mais qu'est-ce qu'on a soif ici? Allez, c'est pour qui, Abono? Pour moi et rien que pour moi. Et s'il y en a qui viennent pleurnicher, le soleil séchera leurs larmes. Mais il est beau ce monde. Voici donc le désert cuisant. Tu as vu tout ce sable blanc? C'en est presque aveuglant. Je pense qu'on trouvera une autre graine royale au palais. Enfin, si on n'est pas complètement cuit avant. Bref, allons-y. Et si jamais tu veux consulter la carte, appuie sur elle, n'oublie jamais. Ils sont très bien faits, les mondes. Là, rien que cette image, enfin, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu au Kremlin. Je sais pas pourquoi. Peut-être, ouais, non. Ça me fait penser au Kremlin, cette image. Bungalow du désert cuisant. Ah, il est en train de mourir de chaud, le pauvre. Et on s'enfonce dans le sable. Enfin, on s'enfonce pas, mais ça ralentit. Ça, c'est quoi? D'accord. C'était peut-être de l'eau pour toi. Tant pis. Je meurs de soif. Mais où est passée l'eau? Oh, votre Altesse, malheureusement, vous n'en trouverez pas une goutte chez moi. Un terrible garnement, Baby Bowser, est venu dans le désert cuisant et nous a dérobé notre précieuse eau. Le vilain, je vous en prie, aidez-nous. Vous devez récupérer notre eau. Tenez, cette graine prodige pourrait bien vous aider. C'est vraiment terrible. Allons vite au palais pour les aider avant que nous, les poplines du désert, ne fanent. Combien j'ai de graines, tiens? Merci, Démon Vif. Bonne soirée à toi. Et à plus tard. Ici, les graines sont jaunes. Très bien. J'ai pas un... Les stats générales. Non, je sais pas. Altesse, c'est terrible. Hormis l'oasis, il n'y a plus une goutte d'eau dans le désert cuisant. Normalement, le palais est entouré d'eau. Mais il a fallu que ce malotru de Baby Bowser vienne nous la voler. Je vais surveiller l'oasis, mais je vous supplie d'aller reprendre le contrôle du palais. D'accord, on y va. Si vous vous perdez dans les vastes étendues de sable blanc, appuyez sur L pour consulter la carte. Vous pourrez alors sélectionner un stage et vous y rendre directement en appuyant sur A. Faites voir. D'accord, mais c'est beaucoup moins drôle, hein. On y va à pied. Nous avons un peu de tout pour toi. Pour un périple dans le désert, rien ne vaut notre badge grand saut cadencé. Qu'est-ce que c'est? Enchaînez vos sauts en les effectuant juste au bon moment pour sauter plus haut, même sur le sable. On va le prendre et on va le tester. Yes! Enchaînez vos sons en les effectuant juste au bon moment.
Alors, les abonnements, tu parles des subs et compagnie. Enfin, oui, je pense que c'est ça. Alors, pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas encore rempli tous les critères pour devenir affilié Twitch. Et je vais même encore attendre un petit peu avant de déclencher l'affiliation, même si je peux la déclencher à un moment donné. Puisque en fait, même s'il y a des outils communautaires qui sont, je trouve, sympas lorsqu'on est affilié, il y a obligatoirement des pubs, au moins au début du stream. Et vu que j'ai pas encore énormément de viewers, je pense que ça pourrait pénaliser la chaîne de déclencher l'affiliation trop tôt. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Voilà, donc à voir dans un proche avenir. Je pourrais pas te dire de date pour l'instant, démon vif. Voilà. Voilà, voilà. Le 25 novembre, t'as ton prime? Ok. D'accord, d'accord. Oh, on m'a déjà tout raconté à ton sujet. Tu es là pour nous aider, pas vrai? Sache que le désert cuisant regorge de secrets cachés. Ils peuvent être enfouis dans le sable ou encore dans les bâtiments. Cherche-les bien. Mince, attends, tu m'as dit quoi? Je chercherai bien avec toi, mais avec cette chaleur. Mais cette chaleur me ferait juste faner. Très bonne soirée à toi aussi également, démon vif. Toujours un plaisir de te voir sur le chat. A plus. Je vais t'encourager d'ici, plutôt. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Sache que le désert regorge de secrets cachés. Dans le sable ou dans les bâtiments. Voilà, Ok, danse ninji. Eh ben, allez, c'est parti. Derrière la petite cascade. J'adore ce jeu. Tellement jouissif. Alors, eux, ce sont nos ennemis que l'on rencontre dans Super Mario Bros. 2, qui ont été remis au goût du jour. Personnellement, je les avais jamais revus dans un autre Mario. Peut-être qu'ils existent après Super Mario Bros. 2. Mais pour moi, je les ai pas vus depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs décennies. Ça me fait plaisir. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est génial. C'est comme les Mario 3D. Le saut, je crois. Hop, ouais, il saute plus haut. Si on saute au bon moment. Il faut que je comprenne le... On dirait qu'on fait du step. Bien, bien, ok. Ah, mais il y en a devant aussi. Super. Regardez, on dirait qu'ils sont au cinéma. C'est génial. Mais si, c'est comme au cinéma ou au théâtre. C'est trop bien. Attendez. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de nouvelles mécaniques. Ouais. Je peux pas l'atteindre. Pourquoi? Et d'une. Ah, et regardez au fond. En arrière-plan. Je me régale sur ce jeu.
On a des boules à facettes, plan de piranha d'ailleurs. La discothèque de Mario, c'est ce soir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Bien joué, oh, faut être synchro. Ils font trop rire. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a des points pointillés. Est-ce que la plateforme se soulève ? Mais pourquoi elle s'est soulevée ? C'est ça la question. Pour quelle raison t'es-tu soulevé, toi ? Et je peux annuler. Ah bien, je peux annuler la. L'attaque rodéo. On fait ça, clac, et on appuie en haut. On appuie vers le bas et on appuie en haut. Et on annule l'attaque rodéo. Je comprends pas comment ça se fait que ça se déclenche. Bon. Oh, bien joué. Il nous en manque une. Ce sont donc les ninjis, nos amis, qui ressemblent bien sûr à des ninjas. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, tu avais vraiment le rythme dans la peau. Et grâce à toi, on a reçu le badge saut en rythme. Et je l'avais pas déjà. Tu veux que je l'équipe? Mais qu'est-ce que j'avais, moi? Ah non, c'était pas ça. Et alors, ce qui est marrant, vous entendez le rythme derrière de la musique? La manette vibre au rythme de la musique. C'est marrant. J'ai le tempo, là, dans la main. C'est quoi ce badge? Gagner des pièces en sautant en rythme avec la musique. Non, mais ça, je m'en fiche. C'est ça que je veux. Alors, c'est la deuxième. Deuxième pièce. Pourquoi ça ne s'active pas? La petite feinte. Ok, j'ai compris. Ah. Donc la première est ici. Ah mais oui, c'est quand tout le monde là, quand tout le monde saute. Ah d'accord, j'ai compris. Ça y est, je vois. Ça y est, on est revenu là. Est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Regardez la boule à facettes. Flo Piranha. C'est génial. Money!
Y a rien ici. Il faut croire. Ah oui, rythme. Allez, bon rythme, non ? Mais je pense que je l'ai raté. La filoute. Je l'ai raté. Des fois, il y a un truc activé comme ça. C'est génial, ça. Tout s'éclaire quand on est en rythme. Ok. Je l'ai eu. C'était ça. Incroyable. Il fallait sauter 3 fois de suite correctement. Oh là là, c'est génial. J'adore ce jeu. 3, génial. Parfait. Et voilà, le rideau s'est ouvert. C'est génial. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Bah rien en fait, à part le drapeau. J'ai adoré ce niveau Dance Ninja. Yeah. J'ai encore le rythme dans la manette. Ils font un boucan là-dedans, derrière cette cascade. Bien, eh bien écoutez, on se retrouve juste après une petite pause de 10 minutes. Je vous dis à tout de suite.